La franc-maçonnerie à Lyon est un phénomène qui apparaît assez tôt sur le plan historique, puisqu'on parle d'une loge dénommée le Petit Élu, qui aurait pu apparaître vers l'année 1733. Son essor réel va se faire quelques décennies plus tard, au moment même où la principale figure de la franc-maçonnerie lyonnaise, Jean-Baptiste Villermoz, va intégrer cette association lorsqu'il aura environ une vingtaine d'années. Né en juillet 1730, c'est quelqu'un qui va avoir un parcours tout à fait extraordinaire, d'abord par la longévité que va lui octroyer la Providence en lui permettant de traverser quasiment un siècle de vie, puisqu'il quittera ce monde à 94 ans. Jean-Baptiste Villermoz naît dans une famille qui n'a aucune prédisposition particulière pour aller vers l'ésotérisme. La famille est installée comme marchand en drap et en soierie. Le jeune Jean-Baptiste baigne dans une atmosphère religieuse marquée par les liturgies très importantes. Il ne faut pas oublier qu'on est avant la Révolution française. 80 jours chômé de fêtes, fêtes patronales, paroissiales, de saints locaux, enfin, etc., les vigiles de Pentecôte, de l'Ascension, etc. On est assidu aux offices et c'est le climat religieux de Lyon au XVIIIe siècle. L'archevêque de Lyon, Monseigneur Antoine de Malvin de Montazé, est un personnage qui va imprimer sur la ville de Lyon un climat religieux marqué par les thèses augustiniennes, écrivant un catéchisme dès 1767, qui va être réédité jusqu'en 1806, fortement imprégné des thèses de Jansénius, de Saint-Cyran, dans lequel domine un regard extrêmement négatif porté sur les conséquences du péché originel. L'homme est réduit aujourd'hui à un état de dépendance et de détermination qui le rive complètement aux forces du mal, qui se sont emparées du monde, et seule la grâce de Dieu peut l'en libérer. C'est le climat spirituel dans lequel va baigner Jean-Baptiste Villermoz, un rien austère, rigoureux, et on décèlera aisément sous la plume de Villermoz des traces de ce climat spirituel janséniste ou jansénisant, au sens réel du terme, puisque lorsque les petites écoles de Port-Royal vont être fermées par décision royale, Antoine Malvin de Montazé va décider d'accueillir en région lyonnaise les maîtres des écoles pour qu'ils viennent enseigner. D'autre part, demandant aux oratoriens favorables, aux augustiniens, de venir s'occuper du Collège de la Trinité. Collège de la Trinité, précisément, où Jean-Baptiste Villermoz va faire ses études jusqu'à l'âge de 12 ans. Il va y apprendre le latin, des très bonnes bases de théologie, va se former à l'histoire de l'Église. Donc le jeune Jean-Baptiste rentre en apprentissage après le Collège de la Trinité et se fait recevoir vers 1750, il a 20 ans, dans une loge, la Parfaite Amitié, où très vite, 2 ans plus tard,
il devient le Vénérable Maître. Et comme il l'écrira plusieurs années plus tard, dès mon entrée en franc-maçonnerie, j'ai eu cette conviction qu'il s'y trouvait des secrets de premier ordre, et cela fut toujours ma boussole. Donc là, on comprend l'orientation propre de Jean-Baptiste Villermoz, rentrant en franc-maçonnerie et ayant cette intime conviction personnelle qu'il s'y trouve des secrets d'une dimension tout à fait exceptionnelle. On est en 1750, 1752. Villermoz fait un parcours honorable dans ses domaines. Il cherche dans toutes les directions possibles ce qui pourrait être le plus pertinent du point de vue de la quête initiatique et, avec son frère, se tourne vers les grades hermétistes, les chapitres où ont développé des éléments du rosicrucianisme qui commençaient à investir les loges, sont ainsi constitués un chapitre d'Hérédome, de l'aigle noir Rose-Croix. Mais il va se passer un phénomène également providentiel pour Villermoz, c'est que deux loges lyonnaises, les amis réunis et la parfaite amitié, décident de se constituer en grande loge de Lyon. On est dans les années 1758-1760, et Villermoz en est nommé le grand maître. Il exerce un temps cette fonction, puis se voit confier le rôle de grand archiviste. Et là, en grand archiviste, il va profiter de la charge qui lui est confiée pour communiquer et correspondre avec un certain nombre de frères avancés autour de lui en France, et donc se faire communiquer des grades. Et ainsi, il est informé des grades templiers venant de Strasbourg, des grades rosicruciens, différents types de hauts grades, de degrés élevés, comme on appelait ça à l'époque, les systèmes n'étant pas encore codifiés, n'étant pas arrêtés, les grades circulaient d'une manière un peu anarchique de partout. On dit qu'il aurait pu ainsi se faire communiquer une quarantaine de grades qui circulaient à l'époque, ce qui est tout à fait considérable. Et ce qui va lui donner une parfaite connaissance de ce qui se trouvait dans ces grades. Le paradoxe, c'est que Jean-Baptiste Villermoz réunit l'ensemble de tous ces grades, mais reste insatisfait. Croyant toujours que la franc-maçonnerie détient des clés fondamentales, néanmoins, il ne les a pas trouvées. Et désespère même, d'ailleurs, de les trouver. Un ami, Bacon de la Chevalerie, membre du Grand Orient de France, révèle qu'un ordre nouveau, dont personne n'a entendu parler, ou plus exactement, que cet ordre a installé l'instance dirigeante qui est la sienne, sous le nom de Tribunal Souverain, à l'Orient de Versailles. En avril 1767, il se rend, comme chaque année, à Paris et se laisse convaincre de se diriger dans ce temple de Versailles pour y découvrir cet ordre dont on dit tant de bien. Il frappe à la porte. Et qui le reçoit ? Martinez de Pasquali. La cérémonie se déroule. Jean-Baptiste Villermoz constate un environnement, une présentation, une mise en scène
qui dépasse tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent du point de vue initiatique. Et à la fin de la cérémonie, Martinez de Pasquali et lui se retrouvent à genoux et se tombent dans les bras l'un vis-à-vis de l'autre. Jean-Baptiste Villermoz lève le visage et voit Martinez de Pasquali en larmes. Villermoz va pour remercier Martinez de Pasquali de l'avoir reçu et de lui avoir fait découvrir ces lumières extraordinaires dans cet ordre. Et Martinez de Pasquali lui dit « Non, monsieur, ne me remerciez pas, c'est moi qui devrais vous remercier. Car j'étais dans une période d'éloignement avec le ciel, la cérémonie que nous avons vécue m'a donné confirmation que j'avais retrouvé la grâce perdue et le lien avec la chose dont le nom mystérieux représente la présence divine. » D'avril 1767 jusqu'à la disparition de Martinez de Pasquali en 1774, en septembre 1774, va se nouer un lien d'une fécondité absolument inimaginable entre Jean-Baptiste Villermoz et Martinez de Pasquali. L'ensemble des aspirations non satisfaites de Jean-Baptiste Villermoz vis-à-vis de la franc-maçonnerie va trouver dans cet ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, puisque c'est de cet ordre qu'il s'agissait lorsque Jean-Baptiste Villermoz y est admis à Versailles en 1767, va conférer à Jean-Baptiste Villermoz tout ce qu'il avait attendu jusqu'alors. Des cérémonies d'un niveau et d'une puissance incomparablement supérieure à tout ce qu'il avait connu. Par-delà ces cérémonies, il va trouver une pratique personnelle qui participe de procédés qu'on appelle les opérations et qui relève d'une science antique d'invocation des esprits qui était désignée sous l'Antiquité comme étant la théurgie. Pour obtenir la réconciliation avec le ciel et le contact avec les régions célestes, l'initié invoque les esprits intermédiaires, les anges, selon leur nom, leur valeur numérologique, leur puissance, et sachant les adapter, les configurer dans des rituels très précis pour réaliser des contacts avec les régions célestes, y compris dans une pratique personnelle, dans l'oratoire individuel, ce qui est très différent de ce qu'on pratiquait en franc-maçonnerie où on transmettait un grade et puis l'initié rentrait chez lui avec un nouveau tablier, un nouveau sautoir, mais bon, il n'y avait pas de pratique particulière à effectuer chez lui. Les pratiques s'effectuaient dans le temple en compagnie des autres frères. Là, il y a un vrai travail à réaliser personnel de réconciliation, de lien avec l'invisible qui implique complètement la vie, d'autant plus que l'élu Cohen est astreint à des prières de 6 heures en 6 heures dans la journée, au lever, à midi, à 6 heures du soir et au coucher, où il doit réciter un certain nombre de prières. C'est presque une vie monastique. C'est donc bien ce dont il s'agit, puisque lorsque l'on dit ordre des chevaliers maçons élus, tout ça est intelligible à l'oreille, mais Cohen, c'est la caste sacerdotale du temple de Jérusalem. Et l'objet des travaux de cet ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, c'est précisément un but et un objet sacerdotal,
de faire de chaque frère, chaque initié, un vrai et authentique prêtre, selon un sacerdoce qui n'est pas celui de l'Église, mais celui universel et cosmique qu'Adam avait à célébrer pour sa réconciliation auprès de l'Éternel en Éden. C'est donc un culte qui intègre le mouvement des astres, lié au calendrier lunaire, qui utilise les noms angéliques et qui élève des parfums vers le ciel avec des formules invocatoires pour hâter l'aspiration à ce vers quoi tend l'ordre des chevaliers maçons et Lucoen de l'univers, c'est-à-dire la réintégration universelle d'un monde chuté par la faute adamique et la révolte des anges dans la matière, une matière dont il faut se libérer, s'extraire pour retrouver l'état primitif d'Adam en tant que pur esprit dans le voisinage de l'Éternel à l'intérieur de l'immensité divine. Villermoz est absolument enthousiasmé. Je dis, mais c'est faramineux. Jamais je n'aurais pu imaginer que quelque chose de cette nature existât. Ça dépasse, y compris dans mon imaginaire, tout ce que j'avais pu formuler comme aspiration. Il revient de Paris, bouleversé, et il fait part de son enthousiasme et va s'engager avec Martinez de Pasquali des échanges réguliers dans lesquels Martinez de Pasquali lui confie les détails, les instructions pour mettre en œuvre ces fameuses opérations, ces invocations de théurgie active, mais peu à peu, à travers ces lettres, également filtre ce qui n'était peut-être pas apparu immédiatement à la conscience de Jean-Baptiste Villermoz, à savoir que cet ordre détient, possède un corpus doctrinal, un enseignement dans lequel on décrit comment les âmes ont été à l'origine émanées et non pas créées selon le récit de la Genèse, que ces âmes émanées l'ont été selon une hiérarchie bien particulière, qu'à l'intérieur de cette hiérarchie, certaines se sont révoltées et que cette révolte a conduit l'Éternel, le Créateur, a ordonné la création du monde matériel pour y enfermer les esprits révoltés, devenus des démons, qui vont être à l'intérieur du monde matériel comme dans une prison. Adam, à son tour, chutant, lui qui avait été délégué par Dieu pour travailler à la réconciliation de ces esprits révoltés, en réalité, va se retourner contre Dieu en s'alliant avec les esprits révoltés. Et va donc, lui également, être précipité dans la matière. On l'a compris, le travail de réintégration, de réconciliation universelle, est de ramener Adam et les esprits révoltés et l'ensemble de la création à l'intérieur de l'unité divine. Jean-Baptiste Villermoz ouvre un temple, ici à Lyon, des chevaliers maçons et Lucoen de l'univers, travaille avec les frères qui sont autour de lui les rituels, l'enseignement. Un fait va concourir
à l'évolution de cette rencontre initiatique. Martinez de Pasquali est un personnage complexe, avec une vie à la fois humaine, sociale, relativement agitée. Des affaires l'amènent en mai 1772 à aller quérir un héritage dans l'île de Saint-Domingue et va délaisser, si l'on peut dire, ceux qui sont autour de lui. En particulier, son secrétaire particulier, un nom célèbre dans l'ésotérisme au XVIIIe siècle, Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu. Saint-Martin reste seul à Bordeaux, on est en mai 1772, il a déjà échangé en tant que secrétaire de Martinez de Pasquali de nombreuses lettres avec Jean-Baptiste Villermoz. Villermoz, le sachant seul sur Bordeaux, l'invite à venir à Lyon. Saint-Martin réfléchit un peu et accepte la proposition de Jean-Baptiste Villermoz. Il arrive en septembre 1773 à Lyon. Et où s'installe-t-il ? Au logis de Jean-Baptiste Villermoz. Très vite, Louis-Claude de Saint-Martin, qui est l'hôte de Jean-Baptiste Villermoz, avec Jean-Baptiste Villermoz, décide d'engager une sorte de séminaire d'études, d'approfondissement de la doctrine laissée par Martinez de Pasquali, qui, entre-temps, avait rédigé, aidé par Louis-Claude de Saint-Martin, un traité, s'appelle le traité sur la réintégration des êtres dans leur vertu, puissance et dimension divine primitive. Et ce traité, qui était donné uniquement aux grades les plus élevés, c'est-à-dire aux réaux-croix, contient une foule de connaissances, de lumières, de révélations, qui vont faire l'objet, à partir de janvier 1774 jusqu'à juin 1776, de réunions des élus Cohen de Lyon, mais pas seulement. Puisque on va voir arriver des frères des villes avoisinantes, Grenoble, Prunelle de Lierre, Hamar, qui viennent se joindre aux réunions des leçons de Lyon, Chambéry, Joseph de Maistre, qui viennent écouter. C'est une pépinière de personnalités tout à fait considérable sur le plan intellectuel qui participe à ces leçons de Lyon, à ce séminaire ouvert aux initiés, pendant lequel on va approfondir la doctrine de Martinez de Pasquali. Un fait notable pendant ce séminaire, Jean-Baptiste Villermoz a compris très vite que si l'ordre de Martinez de Pasquali possède des lumières considérables, néanmoins, du point de vue de la mise en œuvre de sa structure et de son organisation, c'est une catastrophe anarchique. Les choses vont à U et à Dia. Un ami, meunier de Précourt, à Strasbourg, lui a parlé d'une structure allemande, la stricte observance, qui, elle, au contraire, avec une rigueur toute germanique, organise un système à la fois maçonnique et chevaleresque qui fonctionne avec une grande efficacité, puisque structuré comme un ordre militaire et religieux. C'est de la maçonnerie, mais c'est un ordre militaire et religieux, puisque le but de la stricte observance dite templière n'est autre que la réédification de l'ordre des Templiers disparu par décision du Concile de Vienne imposé au pape par Philippe le Bel. Villermoz se dit intéressé, ce qui d'ailleurs
fera froncer les sourcils à Martinez de Pasquali lorsqu'il saura de loin, sur son île, que Jean-Baptiste Villermoz s'est tourné vers la stricte observance. Mais Villermoz, avec une intuition tactique, va comprendre que la stricte observance peut lui fournir le cadre dont il a besoin pour organiser la vie maçonnique. En juillet 1774, le baron de Hunt, en Allemagne, qui est le grand maître de cette stricte observance, délègue son visiteur spécial, le baron von Weyler, qui vient à Lyon, constituer en juillet 1774 la seconde province d'Auvergne de la stricte observance templière allemande, qui devient la deuxième province de l'ordre en France. Jean-Baptiste Villermoz, se faisant recevoir chevalier dans cette stricte observance, avec blason, c'est un roturier, mais cette stricte observance recevait, y compris des membres qui ne participaient pas de la noblesse, en leur donnant des noms chevaleresques et leur conférant un blason avec devise. Et Jean-Baptiste Villermoz devient le chevalier ab eremo, avec pour blason un baptiste dans le désert et comme devise vox in deserto, la voix dans le désert, utilisant son nom de baptême, Jean-Baptiste, pour configurer ce blason. Les formes de la stricte observance que découvre Jean-Baptiste Villermoz lui conviennent du point de vue de l'organisation, mais évidemment le déçoivent sur le plan de la consistance initiatique. Il regarde, si l'on peut dire, la stricte observance comme une coquille vide qui demande à être remplie, qui appelle même à être remplie. Entre la fin novembre et le 10 décembre 1778, Jean-Baptiste Villermoz convoque l'ensemble des provinces françaises de la stricte observance, 5e province de Bourgogne, 3e province d'Occitanie, 2e province d'Auvergne, à Lyon, pour ce que l'on appelle le Convent des Gaules, qui va donner naissance au régime écossais rectifié. Pourquoi régime ? Parce que c'est un système avec non pas deux classes, l'une maçonnique, symbolique, et l'autre chevaleresse, mais trois classes avec une classe doctrinale, secrète, qui a été constituée à la veille du Convent des Gaules, où on y reçoit les frères les plus avancés, presque tous élus Cohen, dans une classe qu'on appelle celle de la profession, dont le but est de travailler à l'approfondissement et à la connaissance de la doctrine de la réintégration de Martinez de Pasquali. En 1778, Lyon est donc la ville qui va donner naissance au régime écossais rectifié à l'initiative de Jean-Baptiste Villermoz, un rite, un système qui va avoir une destinée extraordinaire par la suite et qui reste encore aujourd'hui une des branches majeures de la franc-maçonnerie. C'est un rite qui appelle à la réflexion, qui fait appel à l'intelligence réflexive, philosophique et métaphysique. Les rites anglo-saxons étant fondés sur l'exécution précise et rigoureuse des rituels, mais étant très distant, voire réservé vis-à-vis de tout ce qui est spéculation intellectuelle. Ce n'est pas du tout le cas du régime écossais rectifié. Nous sommes en 1778, Saint-Martin rejoint Paris, Jean-Baptiste Villermoz organise la seconde province d'Auvergne et le nouveau système qui vient de se créer, et surtout met la main au rituel, développe cette classe secrète de la grande profession et considère qu'il y a là, pour lui,
le fait providentiel qu'il attendait, sachant que Martinez de Pasquali a quitté ce monde en septembre 1774, que l'ordre des élus Cohen périclite et qu'il va d'ailleurs être mis en sommeil par le dernier grand maître, Sébastien de Las Casas, qui décide de la fermeture des temples et de la remise des archives au fil à lettre en 1781. Nous sommes à une année d'un deuxième convent fondateur pour le régime écossais rectifié, c'est le fameux convent de Wilhelmsbad, où cette fois-ci les délégués ne sont pas réunis à Lyon, mais à Wilhelmsbad, cette petite ville thermale d'Outre-Rhin, mais où toute l'intelligence lyonnaise de Jean-Baptiste Villermoz va faire son œuvre pour entériner les décisions prises à Lyon comme définitives au titre du régime écossais rectifié, puisque le convent de Wilhelmsbad va confirmer en tout point les propositions faites lors du convent des Gaules. Le convent des Gaules avait simplement réformé les provinces françaises, le convent de Wilhelmsbad va réformer la totalité de la franc-maçonnerie rectifiée du régime écossais rectifié, avec validation du grand maître général, le duc de Brunswick, qui n'était d'ailleurs pas très sympathique avec les Français, puisqu'il s'était battu sur les champs de bataille contre les Français, mais qui se laisse convaincre par Jean-Baptiste Villermoz de la justesse de ses intuitions. En diplomate formé au Collège de la Trinitaire par les oratoriens, Jean-Baptiste Villermoz avait eu l'intelligence de recevoir comme professe et grand professe le duc de Brunswick et l'ensemble des dirigeants de la stricte observance avant que le convent de Wilhelmsbad n'ait lieu. Villermoz revient à Lyon, on est en 1782, et là on pourrait se dire il va y avoir un temps d'épanouissement considérable pour la stricte observance et le régime écossais rectifié. Or, fait étrange, les années qui vont suivre Wilhelmsbad vont être des années de prise de distance, non pas avec toute l'entreprise réalisée, qui reste l'objet d'un fort attachement de la part de Jean-Baptiste Villermoz, mais parce que tout à coup, des formes originales de voies initiatiques apparaissent en Europe, mais en France. En particulier, deux événements qui vont marquer considérablement le devenir de Villermoz et du régime écossais rectifié, le mesmérisme et le magnétisme animal. La loge La Concorde est constituée ici, entre Rhône et Saône, par des frères qui tout à coup trouvent dans le magnétisme animal et la guérison par le baquet des réponses concrètes aux maux dont ils souffrent physiquement. Puisque l'homme incarné dans une enveloppe de chair, il y faut des réponses. Or, les réponses métaphysiques ont parfois quelques limites, alors que le mesmérisme, lui, amenait des réponses concrètes. Beaucoup de frères de la nouvelle loge créée à partir de 1778 à Lyon, la Bienfaisance, vont se livrer aux expériences de baquet avec Mesmer et en trouver quelques réconforts. On est en 1785, donc quelques temps après le convent de Wilhelmsbad. Et Villermoz, lui également, qui commence à avancer en âge, se livre à des séances de magnétisme et trouve que tout ça a quand même un intérêt qui n'est pas négligeable. Un jour de mai 1785, la nuit est tombée, Jean-Baptiste est à son logis avec sa sœur qui lui sert d'intendante. On frappe à la porte, c'est monsieur de Monspé, le marquis de Monspé, qui lui dit « Monsieur Villermoz, je viens vous trouver
des communications venant du ciel ont été dictées à un agent inconnu. Ces communications désignant la loge La Bienfaisance et vous, monsieur, comme étant désignés par le ciel pour accomplir une œuvre merveilleuse de restauration du christianisme. Villermoz reçoit les dictées de cet agent inconnu, prend connaissance de ce qui est écrit, et il y a là des vues tout à fait extraordinaires. Le temps est venu à ce que les âmes chrétiennes soient régénérées par la relation qu'elles pourront avoir avec Jésus-Christ, dont le règne va bientôt advenir. Des cahiers et des cahiers sont ainsi confiés à Villermoz par M. de Monspé, et Villermoz se dit, il y a là des choses assez troublantes, d'autant plus que l'agent inconnu est très renseigné, puisqu'il se veut non pas destructeur des activités maçonniques, des élus Cohen et du régime écossais rectifié, mais il veut le perfectionner. On se réunit, Jean-Baptiste Villermoz découvre que derrière cet agent inconnu se trouve la chanoinesse de Miremont, Marie-Catherine de Monspé, c'est-à-dire la sœur du chevalier de Monspé. Un enthousiasme considérable embrase le groupe des initiés lyonnais et on se met à l'école de l'agent inconnu, qui va écrire jusqu'à 120 cahiers avec une langue primitive, etc. Du coup, ceux qui s'étaient un peu éloignés de Lyon, comme Louis-Claude de Saint-Martin, désirent être reçus dans la petite société qu'on a constituée pour l'occasion, qui s'appelle la Société de l'Initiation, revient précipitamment à Lyon et accepte ce qu'il n'avait pas accepté la première fois, c'est-à-dire d'être reçu à l'intérieur du système maçonnique et chevaleresque, dit régime écossais rectifié, et se fait recevoir chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, avec un nom d'ordre, Ludovicus Claudius Aliones Sidero, un lion rallongé, et une devise, Terrene reliquit, il a quitté les choses terrestres. Saint-Martin revient donc à Lyon, mais derrière lui, l'abbé Rosier, Madame de Chevrier, un monde incroyable se tourne vers la capitale des Gaules de manière à y recevoir les enseignements de l'agent inconnu. Et puis, bizarrement, très vite, l'agent va devenir silencieux, les prophéties qu'elle avait annoncées, les visions qu'elle avait eues, la découverte d'un manuscrit s'avérait plus ou moins imaginaire et hypothétique. Il va y avoir un désamour et ça va être une sorte d'amertume pour Jean-Baptiste Villermoz qui avait été promu, on pourrait dire envoyé divin pour cette réforme du christianisme et de cette vision spirituelle renouvelée. Il va être désappointé et en souffrir intérieurement. Il ne sait pas trop quoi penser. Et la réponse qui va lui être apportée, c'est le cours de l'histoire qui va lui conférer. On est en 1785-1786, quelques temps après, c'est les prémices de la Révolution française, dont Lyon va faire les frais d'une manière très sévère, très violente, puisque Lyon est assiégé. Beaucoup de frères de la Bienfaisance ont accueilli la Révolution française avec enthousiasme. Milanois, le comte de Virieux sont membres de la Constituante. Mais les pratiques dures et autoritaires du comité de salut public et la terreur déplaient fortement aux Lyonnais, qui, dès que les Girondins se sont mis à l'écart sur le plan historique à Paris, prennent leur distance avec la Révolution française et reviennent sur Lyon en disant « ça ne nous convient pas du tout ».
Lyon est assiégée dans des conditions terribles. Pas oublier que le comité de salut public avait dit qu'il faut rayer Lyon des villes de la République. 16 frères de la bienfaisance vont disparaître dans les événements, certains guillotinés. Jean-Baptiste Villarmoz va y réchapper à un fait d'ailleurs tout à fait providentiel, puisqu'il s'était adressé avec son fort caractère au tribunal qui l'interrogeait par ces mots en leur disant « Vous défendez des idées justes, mais par des manières inhumaines. » Et conduit à Saint-Luc, le pic le reconnaît et lui dit « Tu as parlé avec courage, citoyen, rentre chez toi. » Et il retourne chez lui à la maison des Brotteaux, mange de la cire de bougie pendant 3 jours et conserve les précieuses malles où se trouvent tous les rituels, les échanges de courriers. Une de ces malles va être perdue, sera retrouvée beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Villarmoz traverse la Révolution avec un dévouement exemplaire et se dévoue auprès des malades, va soigner les blessés. Il faudra attendre la fin des événements révolutionnaires et le couronnement de l'empereur pour que une certaine paix sociale permette le rétablissement des loges et le retour à la vie traditionnelle, entre guillemets, et initiatique telle qu'on l'avait connue. L'Empire va aussi permettre à Jean-Baptiste Villarmoz de se rapprocher des milieux d'église. Il fréquente le salon du cardinal Fesch, qui est ici à Lyon, l'oncle de Bonaparte. Il est admis à rencontrer le pape Pie VII lors de son passage à Lyon, dont il baisera l'anneau pontifical. Il devient membre du conseil paroissial de Saint Polycarpe. Entre-temps, il a fait l'acquisition d'une maison, enfin de terrain, en août 1796, en fructidor en cap, comme on disait à l'époque, juste après son mariage, puisqu'il s'est marié au mois de juillet 1796, il a quand même déjà 66 ans, il va avoir des enfants, et tout à coup on trouve un Villarmoz qui s'intéresse à l'agriculture, aux ruches, pieux catholique, qui va à l'office, qui y fait baptiser ses enfants, etc., etc. Il faut la sollicitation de frères de Marseille et de Paris qui sollicitent Jean-Baptiste Villarmoz en disant « Monsieur, on a besoin d'avoir les rituels du système que vous avez édifié à Lyon en 1778 lors du Convent des Gaules, car nous voulons de nouveau travailler sous les auspices de ce régime écossais rectifié. » Et Jean-Baptiste Villarmoz se laisse convaincre, transmet les rituels, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui la source première, la plus fiable des rituels. On a par exemple dans les rituels du régime écossais rectifié, rituels transmis en 1802 à la respectable loge La Triple Union à l'Orient de Marseille, transmis par Jean-Baptiste Villarmoz, transmis de la même manière à Paris, où les frères, avec le centre des amis, vont réveiller le régime écossais rectifié et vouloir ne travailler que sous les auspices du système de Jean-Baptiste Villarmoz. Villarmoz avance en âge, il écrit des textes théoriques d'une valeur incomparable, le fameux traité de nature ou Instruction à mon fils, daté de 1808, accompagné de cahiers doctrinaux qui sont d'une valeur spirituelle et métaphysique absolument inestimable. Il ne voyage plus à titre personnel, mais des frères viennent sur Lyon pour recevoir des grades. Par exemple, de Strasbourg vient Frédéric Rodolphe Sazman pour être reçu dans des grades Cohen, où Jean-Baptiste Villarmoz officie en tant que ré aux croix, possédant toutes les qualifications initiatiques pour transmettre les bases
de connaissance des élus Cohen. Il faut imaginer que Jean-Baptiste Villermoz a dû tendre les tapisseries au mur, allumer les bougies, faire fumer les encens, prononcer les invocations qu'on prononçait dans l'ordre des chevaliers maçons et élus Cohen de l'univers. Il continue à recevoir des prophètes et des grands prophètes, et on peut dire que le tout début de ce 19e siècle voit un Jean-Baptiste Villermoz encore actif pour faire perdurer tout ce dont il est héritier, tout ce qu'il avait acquis au titre de son parcours et de son histoire, ayant permis la réunion de personnalités de premier plan sur Lyon qui occupe en effet une image d'envergure sur le plan ésotérique initiatique au titre de la franc-maçonnerie, et peu à peu, sentant ses derniers jours et ses moyens diminués, s'entoure de Joseph Antoine Pont et de quelques-uns de ses plus proches confidents, de manière à ce que, lors de sa disparition, le dépôt historique du régime écossais rectifié soit transmis et conservé intact, de sorte qu'il perdure à travers l'histoire. Jean-Baptiste Villermoz va quitter ce monde un 29 mai 1824, comme l'on sait, 94 ans. Joseph-Antoine Pont va confier cet héritage au seul endroit où on pratiquait encore le régime écossais rectifié, à savoir Genève, et c'est à Genève où va être préservé l'héritage de Jean-Baptiste Villermoz jusqu'à ce qu'il revienne en France en deux temps, d'abord en 1911 et puis en 1935 lors du réveil complet de ce régime par le travail réalisé par un frère du Grand Orient de France, Camille Savoir. Mais au moment de la disparition de Jean-Baptiste Villermoz, on est en 1824, Villermoz est inhumé. Saint Polycarpe, dit-on, était tendu aux trois quarts de noir. 12 vieillards portaient son cercueil. Il est mis en terre, non pas au cimetière de la Croix-Rousse, mais au cimetière de Loyaz. Il avait demandé à ce que 40 messes soient célébrées après sa disparition, qui correspondent à ce que les élus Cohen appellent le temps pour parcourir les cercles de purification, qui sont les planètes Mars, Mercure, Vénus, etc., où l'âme transmigre avant de retrouver l'unité première auprès de l'Éternel, puisqu'il faut qu'elle repasse par toutes les étapes où Adam est passé en descendant dans la matière. Elle doit remonter en se purifiant. Ces 40 messes n'ont peut-être pas toutes été observées, sans doute. Mais ce qu'il faut conserver en mémoire, par intuition, comprenant que les temps étaient un peu modifiés, le 19e siècle entrait dans un épisode qui va correspondre à celui politique de la Restauration, où la franc-maçonnerie va être regardée avec beaucoup de méfiance et de suspicion. Une autre forme d'ésotérisme va apparaître à Lyon, et où Jean-Baptiste Villermoz va passer à l'arrière-plan et va être quasi complètement oublié pendant tout le 19e siècle. Le fait qu'il ait pensé à sa postérité et créé les formes initiatiques, organisationnelles, structurées, comme nous l'avons vu, avec raison, intelligence, on pourrait dire presque un soin et un souci du détail qui va jusqu'à l'extrême, a permis à ce que toute l'œuvre de Jean-Baptiste Villermoz soit préservée, maintenue, et qu'elle puisse être encore, en notre 21e siècle, un des plus beaux trésors de la voie initiatique occidentale. René Guénon dira: c'est une des rares voies occidentales authentiques
dont il faut considérer la valeur et la dimension. Je pense que Villermoz, à cet égard, a été un personnage ayant joué et agi dans cette ville de Lyon à un niveau qui est sans doute inentrevu, sera regardé de plus en plus comme ayant été le père fondateur du véritable trésor de l'initiation occidentale.